pourquoi donner du sens au rôle des CR et des CRA? D'abord à cause de la taille de la coopérative, 1400 magasins. Lorsqu'on répartit 1400 magasins dans des six régions animées par des coordinateurs régionaux et qu'également on redécoupe, on répartit cette zone entre 32 coordinateurs régionaux adjoints, on revient sur des zones à taille humaine où il est plus facile au sein de ces zones de pouvoir redonner ce que j'appelle le sens originel de notre coopérative, c'est-à-dire créer des lieux d'échange, de partage, fédérer le réseau autour d'une zone plus petite géographiquement. Chacun a la chance de se connaître et d'échanger avec l'autre. Et également, pour les CR et CRA, ils sont les liens privilégiés avec la structure. Ce sont des personnes qui sont dans des groupes de travail, qui connaissent la structure et qui sont là pour assurer le lien avec les adhérents sur le terrain qui connaissent moins les rouages de la structure. Lorsqu'une demande naît, une question, ils sont à même de faire le lien et d'apporter la réponse ou de l'apporter pour que chacun finalement utilise les structures de la coopérative à bon escient. Pour moi, ils sont les garants que l'homme est toujours au cœur des dispositifs. Donc, le rôle du coordinateur régional est de travailler en binôme avec le responsable régional Crise Group. Sa mission principale est de remonter les informations de terrain vers la direction de Crise Group. Et une deuxième mission est de diffuser les informations auprès des adhérents locaux. Et donc cette mission est assurée en partenariat avec les CRA. Les CRA sont des relais départementaux, ils ont une bonne connaissance des guildiens locaux. Ils s'appuient également sur ces CRA pour organiser des réunions en local ou en régional afin d'avoir une cohésion dans la région dont ils s'occupent. Le Google Drive s'accompagne de tous les outils qui sont Google Sheet, Google Doc et sur lesquels nous allons former les CR et les CRA pour une utilisation fluide dans leur quotidien. Le deuxième outil qu'on a mis en place, ou que l'on est en train de mettre en place, c'est un forum que l'on est en train de créer, régional, et qui va permettre à chaque CR de communiquer à la fois avec les CRA, mais aussi avec l'ensemble des adhérents de la région, du CR et du CRA. Le forum sera mis en place dans les prochains jours qui vont suivre la convention et qui permettra donc à l'ensemble des CR et des CRA de communiquer entre eux et de communiquer aussi avec les adhérents de leur région.